Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire une mini perruque toute fermée avec une raie sur le côté, sans closure et sans crochet. Je vais utiliser ma Dome Cap en bonnet, je vais bien installer sur ma tête malléable et bien tirer avec mes épingletés pour ne pas me retrouver à la fin avec une petite perruque. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater. Je t'invite également sur sur différents réseaux, Instagram comme Facebook, où je poste plusieurs astuces pour la coiffure. Mon bonnet est bien installé, je vais prendre ma boule de tissage et je vais commencer à le coudre. Vous savez vous-même, avec l'aiguille ou avec la colle, chacun a son choix. Mais moi, cette fois-ci, je vais faire avec l'aiguille et le fil. Commençons toujours vers le bas, de la gauche vers la droite, en mode zigzag. Et surtout, n'oubliez pas de bien coudre pour ne pas que votre tissage se défait après. Alors je le répète encore, pour celles qui aiment l'arrière bien bombé, il suffit juste de doubler voire tripler votre tissage au niveau de la nuque.
Arrivé à ce niveau, je commence par disposer mon tissage verticalement et surtout, il faut bien serrer les coutures. Il faut pas qu'il y ait d'espace pour avoir une très belle raie. Je répète encore, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Surtout, ne vous pressez pas pour fermer le point. Non, ne vous pressez pas. Prenez tout votre temps, c'est très important. Une fois terminé, nous allons brosser, tailler et après coiffer notre perruque. Et vous allez me dire si elle vous plaît ou pas.
Alors, mes chéris, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous aidera également. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de laisser toutes vos questions en commentaire. Je suis là, je vais vous répondre. Et mon numéro, je le laisse en barre d'infos. Et parfois aussi, quand vous me le demandez en commentaire, je vous le donne. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire via WhatsApp. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.